Alors, ce livre, Histoire de pain, au pluriel, le simple mélange de la farine et de l'eau, cette aventure a commencé par un coup de cœur sur les couches, c'est-à-dire les tissus de lin qui enveloppent les pâtons et qui portent les marques de la fermentation. Et ça m'a entraînée pendant un an, j'ai photographié que ces couches sous toutes les coutures, si je peux dire, pour donner des sortes de tableaux, justement, du vivant. Puis j'ai été amenée à m'intéresser, comme j'allais de fournil en fournil, eh bien, j'ai vu le pain se faire et je me suis intéressée à toutes les étapes de la fabrication du pain. Et j'ai remonté la chaîne jusqu'à la meunerie et jusqu'à la semence, jusqu'au blé. Ce travail avait commencé, disons, je l'ai fait en pensant en faire une exposition. C'était donc des images destinées à l'exposition. Et petit à petit, le côté enquête et recherche, enfin, j'ai fait deux fois le tour de France des boulangers que je voulais voir, mais aussi des meuniers, mais aussi des semenciers, pour essayer de comprendre un peu toute cette histoire. Mais au fond c'est un travail sur le vivant, une fascination sur le vivant et sur l'acceptation de la diversité. Et au fond, dans tous mes travaux, celui d'avant c'était un travail de reportage dans des qui n'avait rien à voir dans un quartier difficile dans une banlieue, le quartier des Trois-Billes à Aulnay-sous-Bois. Et au fond, je me suis rendu compte une fois que c'était fini que j'avais eu le même fil conducteur, à savoir présenter ces quartiers dans ce qu'ils ont de très vivant et dans la volonté du respect de la diversité.